Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle salle des ventes? Comment est-ce que Forza va pouvoir gérer un petit peu ce débâcle avec cette salle des ventes? Tout ça, je vais vous le dire dans cette vidéo. Allez, salut à tous, Alex, j'espère que vous avez la forme. Moi, écoutez, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Forza Horizon 5 dans laquelle je vais du coup vous parler un petit peu de la salle des ventes, des actualités, des rumeurs et tout ce qui est un petit peu de nouveau parce qu'il y a eu quelques petites nouvelles rumeurs qui sont arrivées sur le jeu. Vous m'avez clairement dit que ça vous plaisait les vidéos un petit peu information par rapport écoutez, à l'actu de Forza et tout ça. Donc écoutez, je vais continuer de faire ça parce que moi aussi c'est un vrai plaisir de faire ça. Donc j'espère que ça vous plaira et que cette vidéo également vous plaira, vous aidera et vous informera. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, pensez à mettre le gros pouce bleu, pensez également à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Si on pourrait atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait vraiment un cadeau merveilleux. Je compte vraiment sur vous, toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à checker et à le faire, ça coûte rien, vraiment. Ça soutient énormément la chaîne, merci d'avance. Évidemment, le petit pouce bleu, le commentaire pour me donner un peu votre avis, ça fait super plaisir également. J'en profite rapidement pour vous parler pour la première fois, alors que c'est en actualité depuis très longtemps sur la chaîne. Il y a les possibilités de soutenir la chaîne en payant un petit abonnement mensuel si vous le souhaitez. Vous allez simplement sur le petit bouton rejoindre qui vous permet d'avoir des badges, des émotes et plein de petites choses supplémentaires. Évidemment, c'est selon ce que vous pouvez, selon ce que vous voulez. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. J'aimerais également dans cette vidéo que vous soyez vraiment au taquet au niveau des commentaires, au niveau des pouces bleus, au niveau des abonnements. Principalement la partie de la communauté qui est un petit peu la communauté dans l'ombre, comme on l'appelle, celle qui ne parle pas souvent mais qui est souvent là. Je sais qu'il y a des personnes qui reviennent souvent mais qui ne commentent pas forcément tout le temps, qui pensent pas au petit pouce bleu, etc. Mais j'aimerais vraiment que vous soyez au taquet en commentaire et me dire qui sont les personnes dans l'ombre. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez, que ce soit sur la salle des ventes, sur peu importe, sur Forza, etc. Mais j'aimerais tous vous avoir en commentaire, ça fait super plaisir, merci à vous. Et si vous voulez pas passer des heures à chercher des crédits, n'hésitez pas à aller voir les meilleurs comptes modèles les moins chers et les plus rapides sur Meticactus.com. Ils sont livrés avec plus de 900 millions de crédits jusqu'à 100 millions de wheelspin, 3 voitures de chaque. Ils offrent également des services tels que des forfaits de crédit autonomes jusqu'à 100 millions à 999 millions avec des options de super wheelspin et même un nouveau forfait d'abonnement mensuel de voitures où chaque nouvelle mise à jour ajoutera du coup les nouvelles voitures sur votre compte. C'est de loin le modeur le plus réputé avec plus de 3300 avis sur sa page officiel Trustpilot et 10 000 membres sur son serveur Discord. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les voir dans la description. Attention, il y a des risques de ban. Alors du coup, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, il y a eu du coup un glitch qui a donné énormément de crédit aux joueurs. Pas de ban par rapport à ça, même ceux qui ont abusé du glitch, aucun souci par rapport à ça, aucune mesure en tout cas de punition sera mise en quoi en place. Maintenant la question qui revient c'est est-ce que les crédits vont être reset, est-ce que les voitures vont être reset? Ça pour l'instant on n'en a pas vraiment d'idée, ça paraît possible vu le temps qu'ils prennent à modifier cette salle des ventes vu qu'elle est en maintenance depuis le glitch parce que l'économie a été totalement bouleversée, ce qui paraît logique. Maintenant est-ce qu'elle va revenir? J'en ai parlé un petit peu par rapport aux rumeurs qu'il y a pu avoir dernièrement, apparemment ça reviendrait écoutez d'ici la saison 15, donc à peu près d'ici une semaine et demie maintenant, ça fait long, ça fait très long. Est-ce qu'il va y avoir que ça dans cette salle des ventes? C'est pas sûr, pas mal de rumeurs maintenant commencent à être alimentées si on le fait d'une nouvelle salle des ventes, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Si c'est vraiment un glitch qui fait avancer le jeu positivement, ce serait vraiment à la fois bien, à la fois pas bien du tout, parce que ça veut dire que c'est les joueurs qui font des conneries et qui poussent les développeurs à modifier leur jeu positivement, ce qui est un peu triste. Mais si c'est le cas, on va pas non plus s'en plaindre dans l'absolu. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Par exemple, s'il y a une refonte de la salle des ventes, on pourrait imaginer, par exemple, pour stabiliser un petit peu l'économie, peut-être le prix maximum en salle des ventes, au prix d'achat et de vente des voitures, qui pourrait passer par exemple de 20 millions à plus. On sait que c'est possible en salle des ventes de mettre des voitures plus chères, notamment quand on va ici dans la salle des ventes, on peut voir ici au niveau de l'achat minimum dans le niveau des crédits, vous allez pouvoir monter évidemment à 11 millions, à 20 millions, ce qui est du coup le prix actuel maximal pour acheter et vendre une voiture. Mais on peut voir que la petite flèche à droite n'est pas terminée parce qu'on peut continuer à monter en crédit. Tout ceci est vrai, hein, vous pouvez aller vérifier pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais c'est officiel, il n'y a pas de fake, il n'y a pas de montage. Hein. Vous pouvez monter jusqu'à 90 millions de crédits. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une salle des ventes qui monterait un petit peu plus haut que 20 millions? C'est vrai qu'on est habitué à 20 millions depuis quelques Forza, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il me semble que sur d'autres Forza, on pouvait monter un peu plus haut. Et ce serait pas impensable de voir des voitures. Alors moi, je pense sincèrement que 40 ou 50 millions, ce serait bien. Parce que ce serait un petit peu plus haut pour toutes les personnes qui ont un peu abusé du glitch. Peut-être que des récompenses, du coup, seraient plus adaptées en termes de récompenses de course, de crédit gagné, qui seraient un petit peu augmenté du coup, pour pallier à ça.
On sait également ce qui est du coup pas improbable. Pourquoi j'ai dit 50 millions? Parce que c'est le prix maximal d'une voiture, entre guillemets, on va en reparler juste après. Mais pendant très longtemps, ça a été le prix maximal des voitures. On voit du coup que ça dépasse même les 20 millions plusieurs fois. On a 18 millions, là on a 50 millions. On a plusieurs voitures autour des 20 millions, il me semble. Avec la Jaguar D-Type qui est à plus de 22 millions de crédits. Et évidemment, on a également quelques Mercedes qui sont à 20 millions. Puis évidemment, la 300 SLR qui est à 143 millions de crédits. Pour le coup, là, c'est une exception parce qu'on peut savoir, on peut voir que même en salle des ventes, le prix est de 90 millions maximal de ce qui est recherchable, on va dire. Mais ça me paraîtrait pas improbable de voir 50 millions. Alors, pas mal de questions vont se poser par rapport à ça. C'est vrai que augmenter peut-être le prix des voitures, ça peut être sympa. Pourquoi pas? C'est vrai que quasiment toutes les voitures les plus rares, les plus compliquées à avoir sont à 20 millions. Pourquoi pas faire une espèce de hiérarchie des voitures vraiment, vraiment les plus rares pour avoir un système un peu plus précis, par exemple, avec les Ferrari, les voitures hyper anciennes qui sont du coup à plutôt à 50 millions et peut-être ce qui est du coup Audi RS7, BMW M4 qui sont certes des voitures rares mais beaucoup plus récentes et en vrai beaucoup plus, accessibles. Et du coup, pourquoi pas effectivement les mettre plutôt autour des 20 millions, celles-ci les laisser comme ça et mettre vraiment les voitures rares et de collection plutôt à des prix très élevés. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire évidemment ce que vous en pensez tout ça. Un autre problème va se poser évidemment, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas utilisé le glitch et qui du coup elles sont 100% legit, qui n'ont pas forcément des millions et des millions et même des milliards de crédits peut-être. Et là forcément ça va poser problème parce que ces personnes là qui sont legit et qui sont 100% respectables du coup, qui ont peut-être farmé, qui ont peut-être simplement fait des courses, qui ont fait toutes les sélections du festival pour avoir toutes les voitures gratuitement sans avoir à utiliser des glitches, des techniques un petit peu abusées. Pour avoir ce genre de crédit illimité, bah du coup vont être clairement en galère pour se faire plaisir sur deux nouvelles voitures qu'ils pourraient manquer en sélection du festival ou qui voudraient simplement soit recommencer un jeu, enfin peu importe la raison, mais toutes les personnes legit vont être vraiment clairement handicapées si jamais il se passe ça. C'est pas une option qui est inenvisageable, mais c'est pas forcément une option non plus que je verrais. En tout cas, il y aurait d'autres améliorations, d'autres updates qui seraient obligatoires pour pouvoir compenser, on va dire, les joueurs qui sont 100% legit. Parce que justement récemment j'ai fait un sondage pour savoir qui avait utilisé ce glitch, on était à peu près du 60% des personnes qui l'avaient utilisé au moins une fois, pas forcément pour avoir des crédits mais en tout cas au moins pour le tester. Et du coup 60% de joueurs, certes ça fait une bonne majorité, mais c'est pas non plus une grosse majorité absolue, c'est pas un 90% non plus des personnes qui l'ont utilisé. Donc forcément ça susciterait beaucoup d'autres améliorations et c'est peut-être ce qu'est en train de faire Forza, parce que vu le temps qu'ils prennent, ça va faire presque 2-3 semaines, voire peut-être même plus, de maintenance de la salle des ventes. Et il peut s'en passer des choses pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement? On ne sait pas beaucoup. Pour l'instant, c'est que des hypothèses, des rumeurs, des choses qu'on aimerait peut-être voir. C'est vrai qu'une refonte de la salle des ventes, que ce soit lié au glitch ou même pour des futures mises à jour, franchement, moi je dis un 100% oui pour le coup, parce que la salle des ventes commence à être un peu lassante, c'est vrai. Elle n'a pas changé depuis pas mal de temps, sur Forza Horizon 4 c'était quasiment la même, et c'est un peu dommage parce que c'est l'un des points également clés du jeu. Les voitures ne sont pas forcément au bon prix par rapport à leur rareté, c'est vrai qu'il y a des voitures qui sont extrêmement rares et qui sont à un prix clairement pas objectif. Par exemple avec les voitures les plus rares du jeu, je vais d'ailleurs en faire une vidéo je pense très prochainement, une vidéo un petit peu améliorée et surtout au goût du jour simplement, des voitures les plus rares du jeu. Avec par exemple cette Jaguar XK RS GT 2015 qui est l'une des voitures les plus rares du jeu, qu'on peut retrouver pour à peine 250 000 crédits, ce qui n'est absolument pas normal. La voiture part instantanément à ce prix là, elle peut sniper pendant des heures sans jamais être trouvée, mais c'est une voiture qui coûte absolument rien et c'est juste pas normal. Cette voiture là devrait être à au moins plus de 10 millions de crédits, voire 20 millions selon moi, vu sa rareté. Pareil pour cette voiture là, hein, la petite Ford Hoonigan qui est une voiture extrêmement rare, qui est l'une des plus rares également dans le top 3 facile des voitures les plus rares sur le jeu, qui elle non plus ne dépasse pas les 2-3 millions de crédits, et c'est juste pas normal, c'est une voiture qui devrait largement atteindre les 20 millions, mais c'est pas le cas. Forza essaie de réguler un petit peu l'économie du jeu, j'ai l'impression, pour le snipe, pour essayer de faire un peu le moins de bénéfices possible, on va dire, facilement, sur le jeu, parce qu'on sait évidemment que les joueurs de Forza essaient de faire un maximum de bénéfices le moins de temps possible dans la salle des ventes, etc., à farmer, à faire des courses. Forza n'est pas forcément friand de toutes ces techniques un petit peu qui contrebalancent l'économie du jeu, qu'ils essayent d'instaurer, même si évidemment, s'il n'y avait pas le snipe, pas les techniques de prouesse, pas les glitches, etc., si on comptait simplement sur les courses pour faire du bénéfice, on en serait loin d'avoir fini le jeu. Dites-moi également ce que vous pensez des récompenses qui sont données en course, que ce soit en multi, sur les courses, on va dire, de la map normale, entre guillemets, de Forza, sur les créations de courses, du labo d'épreuve et tout ça, bref, des courses en général. Est-ce que vous trouvez que les récompenses sont adaptées
On va dire qu'on est sur une moyenne de 50 000 crédits après pour une course, et encore ça dépend de la course, mais on va partir à peu près sur une moyenne comme ça entre 25 000 et 75 000 selon la durée, selon la difficulté et plein de choses qui sont entrées en compte. Mais sincèrement, sur mon avis personnel, c'est largement trop peu. S'ils veulent que l'économie soit uniquement basée sur des gains de crédits de course et d'XP, c'est largement trop insuffisant. Bref, moi je pense que je vais pouvoir m'arrêter là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est hyper important vraiment, la partie de la communauté un petit peu, la communauté passive entre guillemets, la communauté dans l'ombre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à faire savoir que vous êtes là, ça me ferait super plaisir vraiment, c'est vrai que je vous demande pas forcément ça, je demande souvent aux personnes qui sont les plus sujettes à répondre et celles que je vois un peu le plus souvent en commentaire, mais j'aimerais bien également voir les personnes qui sont là depuis longtemps, les personnes qui sont arrivées mais qui parlent pas forcément souvent en commentaire, exprimez-vous, lâchez-vous, franchement ça ferait plaisir. Et puis donner votre avis également par rapport à une augmentation peut-être des prix des voitures dans la salle de vente et une refonte peut-être également. Si vous avez des idées, des hypothèses, franchement, foncez. Évidemment également le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours hyper plaisir. Le petit projet des 10 000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait un rêve de malade. Et encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui passent par mon lien dans la description, mon lien Instant Gaming pour avoir des jeux moins chers en utilisant mon code. J'ai du coup 2-3% qui me reviennent, c'est pas grand chose mais ça fait super plaisir, merci à vous. Allez, du coup, moi, je vais pouvoir vous laisser là-dessus. Vous souhaitez une bonne journée et une bonne soirée. C'était Alex. Ciao, ciao, pour l'instant de vous. À la prochaine.